Alors, les implications sur vos systèmes de gestion de données. Alors, on est aujourd'hui le 30 janvier, la loi entre en vigueur le 1er juillet. Donc, il y a une diapo où on a une ligne de temps, on voit le 1er juillet, il y a des choses à faire avant, évidemment. Donc, planifier et mettre en place un système de gestion des données de consentement adapté aux exigences de la loi. Les types de consentement, il y a plusieurs. La loi a été traduite en disant express, un consentement express ou explicite ou opt-in dans notre ancien langage. Spécifiquement, c'est de demander oui, je veux recevoir vos communications. Et comme on est en informatique, ben là, on attribue une valeur de 1. Comme ça, quand la plateforme va vouloir assembler un message, est-ce qu'on a le droit ou pas? Mais si c'est un 1, ça veut dire qu'on a un consentement express ou explicite ou on a un opt-in. Si spécifiquement le client refuse, ben à ce moment-là, on attribue une valeur de moins 1. Et si on a un consentement implicite, c'est-à-dire ni oui ni non, un consentement tacite. D'ailleurs, tout ce que vous avez dans vos bases de données actuellement, les gens à qui vous avez des adresses courriels, vous envoyez des communications, sont considérés comme tacites. Donc, c'est une valeur de 0. Sauf que dans le temps, il va falloir les transformer en consentement express. On verra dans la ligne de temps un peu ce que ça fait comme figure. Parce qu'à un moment donné, on s'y perd, là, express, implicite, explicite, opt-in. Ce qui est sûr, c'est que le opt-out n'est plus permis. De toute façon, il y a. Capturer la date de saisie du consentement tacite ou express, parce que ça va avoir une importance. Je dirais non seulement la date, mais la source. En termes de marketing, il faut connaître d'où on a capturé l'adresse, si c'est dans un salon d'affaires, si c'est du site Internet, une promotion, etc. C'est comme ça, ça nous aide à faire des stratégies marketing. Est-ce qu'on capture ou pas, ou comment on peut améliorer le profil de nos membres, finalement. Et la mise en place de filtres permettant d'exclure les adresses dont la période de consentement tacite est expirée, parce que l'expiration tacite, on va le voir dans la ligne du temps, on n'a pas à refaire à chaque semaine ou à chaque mois quand est-ce que un consentement se termine, ça doit tout être automatisé. L'implication sur vos interfaces web, des recommandations au niveau du formulaire d'abonnement, proposer différents types de communication et offrir un abonnement sélectif, par exemple. Une infolettre où il y a des offres et des concours exclusifs. La personne va dire consentement, oui ou non. Une infolettre sur les nouveautés, oui ou non. Est-ce que vous acceptez les offres des partenaires, oui ou non? Comme ça, on a différentes possibilités de oui ou de non. Donc, si on a juste, voulez-vous recevoir des communications, oui ou non, bien là, il n'y a pas de rétention à ce moment-là et on ne s'aide pas. Évidemment, c'est une approche plus marketing que légal. Ça reste légal, mais c'est des conseils pour capturer et conserver le plus de gens possible dans nos bases de données. Mettre de l'avant les avantages que l'on retire de l'abonnement à chacune des communications. Évidemment, avant de dire oui ou non, la personne va dire, bien, c'est quoi cette infolette-là, c'est quoi cette communication-là? Est-ce que j'en retire des connaissances? Donc, c'est toujours bien de communiquer, finalement, vendre le type de communication pour essayer d'avoir un oui. Décrivez le contenu des communications et indiquez la fréquence des envois. Un beau cas, je me suis inscrit il y a peut-être un an aux communications du Harvard Business Review, et lorsqu'ils nous font choisir qu'est-ce que vous voulez recevoir comme information, il y a des quotidiennes, il y a des hebdomadaires, des mensuels, il y a des trimestriels. Dans quel secteur? Du marketing, des bases de données, des finances, la gestion, etc. Je pense qu'il y avait un choix de 30. Donc, bien décrire c'est quoi la fréquence, et puis comme ça facilite, puis ça vient répondre finalement aux besoins du consommateur, qui est la base du marketing. Processus de transaction achat en ligne pour obtenir un consentement explicite, faire un formulaire raccourci pour ne pas alourdir la transaction, donner le choix du oui seulement, consentement tacite déjà acquis. Donc, si quelqu'un, si vous voulez capturer finalement des informations de base, c'est sûr que plus tard, on pourra inciter les gens à compléter leur profil. Donc, l'adresse courriel, le prénom, le nom. Et dans le premier exemple, c'est une lumière rouge à ne pas faire, c'est le opt-out. Ça, c'est plus permis, c'est illégal. On a roulé longtemps là-dessus, mais c'est fini. C'était finalement décoché, opt-out, et puis à ce moment-là, sauf que les gens ne se rendaient pas en bas, puis on augmentait les bases de données comme ça. Opt-in, c'est vraiment la façon de faire, donc les mêmes informations, mais la personne doit cocher le oui.
comme dans l'exemple qu'on a vu du CRTC. Et le double opt-in, ça, il y a beaucoup de banques ou d'organismes dans le milieu financier qui l'offrent. Ils disent oui, j'ai coché, j'ai dit oui, et il y a un courriel dans une deuxième étape qui est retourné. Confirmez-nous que vous avez dit oui et en cliquant sur ce courriel. Donc, on appelle ça un double opt-in. Donc, ça, c'est la ceinture et les bretelles. Eux autres, on part au phishing, et peut-être avec raison, donc c'est pour ça qu'ils se rendent jusque-là. Mais ça existe, et évidemment, c'est permis, et c'est très cocheux. Un exemple de formulaire d'abonnement, donc les gens vont sur votre site Internet, Archambault ici, dans le cas présent, à gauche, il y a un formulaire d'abonnement à l'infolettre. On capture des informations, et ils aboutissent sur un formulaire, si le lien fonctionne, là. Oui, voilà. Où là, les gens rentrent, évidemment, les informations requises. Et signifient, oui, ils veulent recevoir, par exemple, l'infolette Archambault hebdomadaire ou Archambault sur les instruments. Et en même temps, ben, on capture quelques intérêts. C'est-tu pour, au niveau des films, des livres, etc.? Quelle succursale est votre succursale préférée? Évidemment, dans le bas, il y a toutes les informations requises par la loi, c'est-à-dire l'adresse, le numéro de téléphone, etc., des personnes contacts. Finalement, l'implication sur vos abonnés existants. Connaissez-vous le statut exact des consentements express ou tacite? Les clients, les organismes ont des bases de données. Ceux qui n'ont pas de statut express, donc ceux qui sont pas, qui n'ont pas dit oui finalement, je consens, on les a dans notre base, ou on ne sait pas trop, ou on ne sait pas un oui ferme. À ce moment-là, on a jusqu'au... Ils ont un statut tacite et on a jusqu'au 30 juin 2017. Donc, la loi a prévu un délai pour les transformer de tacite à express. Lors de tout contact avec un client ou abonné actuel, potentiel ou ancien, en ligne, en magasin ou au téléphone, en d'autres termes, tenter d'obtenir le consentement express. C'est ça qu'aujourd'hui, d'ici au 1er juillet, tous les points de contact, évidemment, à échéance, ça va prendre un consentement express. Donc, c'est aussi bien se faire mettre en place les meilleures pratiques et que tous les canaux focus sur le même objectif. Mettez en place une stratégie d'obtention de consentement express sur votre base d'abonnés actuelle. Le meilleur moment d'obtenir un consentement, oui seulement, à cocher est lors d'une transaction. C'est sûr qu'on est, on a un lien, on a un contact, donc c'est le moment d'aller chercher un consentement express. Les concours et sondages sont également une bonne opportunité d'obtenir le consentement. Mettez de l'avant le lien de gestion de profil dans vos infolettes. On a une base de données, c'est un statut tacite, on veut les convertir en express, on envoie des infolettes, donc constamment répéter pour essayer d'obtenir le plus rapidement et le plus de consentement express. En dernier recours, peu de temps avant la date de la fin du consentement tacite, mettez en place un scénario pour annoncer à l'abonné que s'il souhaite continuer à recevoir les offres et informations privilégiées, il doit en prendre en action maintenant. L'échéance des consentements tacites. Abonnés présents dans votre base avant le 1er juillet 2014. Donc, avant le 1er juillet 2014, on a une ou des bases de données, c'est des consentements tacites, jusqu'au 30 juin 2017. Bon, on a un peu de temps. Les abonnés ayant fait une transaction après le 1er juillet 2014, vous bénéficiez de leur consentement pendant 2 ans à partir de la date de la fin du contrat ou de la date la plus récente de la transaction. Donc, j'ai acheté quelque chose, j'ai une fois, donc je peux communiquer parce que j'ai une relation d'affaires avec ce client-là. Donc, j'ai 2 ans pour communiquer. Les abonnés ayant fait une demande sans transaction après le 1er juillet 2014, j'appelle un musée, j'appelle un théâtre ou j'envoie un courriel pour avoir de l'information. C'est un consentement tacite durant 6 mois. Donc, demande d'information 6 mois, achat 2 ans. Tableau synthèse dans la ligne du temps. Donc, vous voyez aujourd'hui, le 1er juillet qui est la date fatidique, qui nous amène jusqu'en 2017 finalement et à l'infini. Lorsqu'on a un consentement express aujourd'hui, ou au 1er juillet, ou au 1er septembre 2014, ou whatever, on a un consentement express, on peut communiquer, il n'y a pas de problème.
Lorsque c'est des adresses acquises avant le 1er juillet, donc c'est des adresses tacites ou implicites, on a 3 ans. Donc, ce qu'on a dans notre base de données, ça devient consentement tacite, on a 3 ans pour les convertir finalement. À partir donc de 2017, du 1er juillet 2017, ça prend un consentement express. Donc, c'est 3 ans pour faire évoluer les consentements. Client, on a un consentement tacite à partir du 1er juillet, là, on a 2 ans. Donc, la base actuelle, on a 3 ans. À partir du 1er juillet, on a 2 ans. Il va falloir aussi les convertir en consentement express. Les prospects, mais ceux qui ont fait une demande d'information, là, on est après, là, on est au 1er juillet, on a 6 mois. C'est un consentement tacite aussi qu'il faut convertir en express. Donc, finalement, l'aboutissement de tout ça, c'est qu'il faut avoir tout le monde en consentement express ou explicite ou opt-in. Ça va, Madame l'avocate? Oui? Les 10 commandements de la C-18, juste pour essayer de rapper, parce que ça peut devenir mêlant. Saisir le type de consentement, tacite, express ou refus. Capturer la date de saisie du consentement, peu importe. Développer un formulaire d'abonnement qui offre différents types de communication et offrir un abonnement sélectif, donc plusieurs types d'abonnements. Mettre de l'avant les avantages que l'on retire à s'abonner, à chacune des communications, décrire le contenu, si on veut que les gens s'abonnent, indiquer la fréquence, mettre en place un mécanisme de désabonnement simple et transparent. Il y a des fois, on clique pour se désabonner, puis on aboutit, on ne sait pas trop où. Des fois, on clique, c'est oui, mais on n'est jamais désabonné. Donc, il faut que ça soit simple et transparent. Ça, c'est très important. Donc, ça prend le mécanisme, puis ça prend la réponse dans les 10 jours, une fois que les gens se sont désabonnés. Respecter les délais imposés par la loi dans le traitement des abonnements 10 jours. Conserver l'historique des communications envoyées et de tous les changements survenus dans un profil. Ça, ça arrive même aujourd'hui, ça va arriver dans le futur. On envoie une infolettre au nom d'un client, à une base de données, il y a un client qui dit « Vous m'avez envoyé du spam ». On remonte le log, puis ça fait 2 ans que cette personne-là accepte l'infolettre. Donc, ce n'est pas du spam. On est capable de démontrer, donc il faut garder, conserver toutes les, l'inventaire finalement des envois, l'historique des communications. Automatiser le traitement des permissions tacites accordées afin de respecter le délai. Encore une fois, on n'est pas pour à chaque semaine ou à chaque mois commencer à dire qui va devenir échu ou pas. Donc, ça se programme, ça s'automatise et juste avant la fin du délai, comme un renouvellement de police d'assurance. Donc, 90 jours avant, la compagnie d'assurance retourne une police ou ceux qui ont l'info vous envoient une demande pour vous envoient une communication pour refaire une demande. Donc, automatiser les consentements tacites qui deviennent express. Intégrer les renseignements exigés de l'entreprise et les mécanismes de désabonnement généralement en bas de page du courriel. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien identifier dans le haut de page, souvent c'est du branding et autres, et dans le bas de page, tout ce qui est légal. C'est tout. On est rendu à la période des questions.